Salut les cafards d'Union, on se retrouve pour un tuto avec Malek CSGO. C'est bien comme ça là sans freestyle. Là t'es content là? Là tu vas liker la vidéo là? Là y a plus Malek TV là, ma grosse bite. On va freestyler jusqu'à ce qu'on meure poto. Salut les cafards d'Union, c'est un nouveau tuto. Salut mes 30 000 abos, je vous fais un maximum de chiap. Ça vous, mais les freestyles aussi, c'est comme ça. Je sais pas, frère, ça sort pas comme ça. Et critique pas mes cheveux, je te le dis tout de suite. J'enchaîne les vidéos. Dans toutes mes vidéos là que vous allez avoir à la chaîne, va y avoir les cheveux comme ça. Donc, je sais pas, désolé, frère. Ça, c'est le sang suédois. C'est comme ça. Moi, je suis suédois. Viking dans l'âme. Viking dans l'âme. Salut les Tchoulapichou. On se retrouve principe de jeu aujourd'hui. Sur D2, un setup complet encore de défense. On va voir quoi? On va voir le setup titan ou le setup papier. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc papier, pourquoi papier? Parce que là il y a des papiers, vous voyez? Ou alors setup titan, comme vous voulez. Donc setup titan, il faut être 3A et 2B. De préférence, on met la WAP en B. Pourquoi la WAP en B? Parce que c'est un setup où on sait qui gangbang le A assez souvent, d'accord? Donc on sait que les mecs prennent la corne à 3 voire 4 et 1 GA ou 3 cornes et 2 GA, mais en tout cas qui font des finitions en A très souvent, etc. Donc oui, c'est setup d'équipe, bien évidemment, si vous jouez un peu solo et tout, matchmaking, ranked et tout. Malheureusement, c'est bourbier, mais CSGO, les gars, c'est un jeu d'équipe. Faut vous mettre ça dans la tête. Donc, moi je parle à ceux qui veulent un petit peu s'élever et penser équipe. Donc, le setup Titan, on va parler sur le A d'abord et après en B. Donc, ça veut dire qu'il y en a un goose caché ici, stuff en main par exemple, comme ça pour les fins de round ou des trucs comme ça. Un qui est là, là, salade ou BP, enfin, il est dans cette zone. Prêt à bait, en fait il bait. Bait c'est servir d'appât. Il bait son pote Goose en fait pour que les terreaux soient naïfs de la Goose. En tout cas, il faut qu'ils soient naïfs de la Goose. Et un troisième, d'accord? Et un troisième ici qui prend la GA d'ici. Donc, comme vous le savez, c'est fait pour contrer la GA, mais c'est surtout quand ils font des 3-2 par la corne, etc. Et qu'on sait qu'ils sont plus corniche que A. Donc, en fait, ça veut dire que vous êtes un petit peu en cross sur le A ici si vous vous faites surprendre. Et surtout très fort sur la corne. Ça veut dire que lui va bait pour la corne, lui il va jouer sur la corne. Ils vont jamais penser qu'il y en a un troisième caché ici. Ça fait 1 et 2 qui se montrent. Ils penseront jamais qu'il y en a un troisième goose. Voilà. Et sur le B, on est très faible. 3-2-B et tout ça. Donc on met un AWAP ici, tunnel, et qui va mettre des gifles un peu à tout le monde. Et c'est fait surtout pour conserver ses smokes en gros. Et comme ça, lui il est smoke en main ici. Donc setup papier comme ça. Voilà, papier comme ça, papier, 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 papier. Ou alors sur le bidon ici. Parce que maintenant, le setup papier, le truc c'est que il y a des AWAP qui viennent en slow et qui décalent et qui attendent que le mec décale et il le tue. Donc pour contrer un petit peu ça, vous pouvez vous mettre aussi sur les bidons ici, stuff en main. Et on saute. Voilà. Et on ressaute. Et on saute. Et on ressaute. Et on saute. Et on ressaute. Etc. Et vous avez l'info 3-2-B. Et dès que ça 3-2-B, vous smokez. Et il reste là comme ça au contact. Voilà. Et son pote, bien évidemment, regardez, il est au fond, donc il est caché de la porte, caché du tunnel, et il joue que le tunnel. Donc en fait, c'est fait pour contrer une 3-2-B assez, on va dire, pas facilement, mais on est quand même paré pour contrer le B, et on est surtout paré pour contrer le A. Donc on avait fait un principe de jeu, le principe de jeu numéro 2, où je vous montrais le setup Lemon Dogs pour contrer de ouf la 3-2-B et être pas trop mal en A. Là, c'est surtout un setup pour contrer de ouf le A et quand même contrer la 3-2-B. Donc voilà les cafardinos. J'espère que ça vous a fait kiffer. Vous inquiétez pas, je vais faire des freestyles dans les prochaines vidéos. Malest TV ou pas Malest TV, on assume. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Merci à tous ceux qui likent. Merci à tout le monde. 30 000 abonnés, c'est pour bientôt. Le giveaway, ça arrive aussi pour bientôt. Donc je vous embrasse tous très fort. Twitter, Facebook, tac, YouTube. Bam bam, like, cybercriminalité. Les soldats du crime de l'internet, ils sont avec moi. Retweet, like, à tout va. Big up à tous mes soldats. Big up, freestyle en fin de vidéo. C'était pour mes cafardis. No, tchou.